chérie, c'est moi. Ouais, j'ai lu ton message, qu'est-ce qui se passe? C'est mon mec. Qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Franchement, c'est bon, là, j'en peux plus. Tu sais quoi, il a fait le double des clés. Non. Mais oui, il a ramené toutes ses affaires. Arrête. Mais oui, ça brosse à dents. Comme une dingue. Franchement, là, j'en ai trop marre. Attends, rigole pas, tu sais pas le pire? Non. Il a mis la photo de sa mère dans la chambre. Ouais, c'est pas vrai. Là, franchement, je te jure, un peu plus. Donc, c'est bon, vas-y, dis-moi, parce que là. Écoute, ouais. T'as deux solutions, c'est ça? Et soit tu supportes, ouais. Soit tu te casses. Ok, mais tu dis comment? Bah, je sais pas. Attends, ça. Quoi? Il arrive. Ok, je te rappelle. Ok, vas-y. Mais dis-lui. Tout permis, t'es entré dans ma vie sans autorisation, sans montrer ton permis. Tu te crois tout permis, et depuis que tu vis ici, les murs ne m'écoutent plus, mon lit a rétréci. Tu te crois tout permis, pourquoi fais-tu comme si on t'avait invité? On te préférerait partir. Tu te crois où, chérie? Je pensais que t'avais compris. T'as bouffé mon espace, mais t'as pas gagné la partie. Yeah, yeah. Ne crois pas être plus fort que moi. Mais t'es pas vraiment, t'es mieux comme ça. Dégale-toi, j'envoie l'offensive. Je vais enfin te donner tout ce que tu veux. J'aurais mieux fait d'écouter Mélanie. Je te sens seule, chérie. Maintenant que t'es partie, et sache que depuis, les murs me remercient. Je t'ai cru tout permis, mais maintenant c'est fini. J'ai changé les verrous hier après-midi. Ne crois pas être plus fort que moi. J'aimerais pourtant qu'il parte, qu'il trouve un autre asile.